la vie est passée de mode. On lui reproche d'être indifférente, absurde, féodale. Et n'a-t-on pas raison quand on pense qu'elle m'a donné les instants les plus heureux dans un appartement à 500 francs par jour de l'hôtel Plaza? Chérie, en sortant tout à l'heure, je t'ai vue. Tu étais accompagnée d'un homme à l'air sévère et je me suis dit, c'est un fonctionnaire que la réalité envoie à Jacques pour lui demander des comptes, pour le questionner sur cette façon de frauder qui consiste à être heureux. Et c'est vrai. Il y a quelque chose d'outrageant, quelque chose de scandaleux, de privilégié dans notre amour. Car le bonheur d'un couple tourne toujours le dos au monde. Et j'ai peur. Je suis remontée dans la chambre pour écrire ces lignes. Et je m'attarde. Je regarde le lit défait, les rideaux baissés. Cette chambre qu'on ne devrait pas toucher. Jamais. Qu'on devrait laisser telle qu'elle. Jusqu'à ce qu'une femme aussi heureuse que moi vienne et dise dans 1000 ans... Vous pouvez effacer les traces. Mettez de l'ordre. C'est sauvé.